Voilà, Mais vous après. n'avez pas appris qu'ils ont été au domicile des leaders politiques? Vous avez vu? Tout ce qui était. Moi, Dieu va juger tout le monde, j'étais broqué. Parce que, d'ailleurs, la cour même va juger. Parce que, tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. Tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. C'est celle-là que quelqu'un peut connaître. Parce que j'ai fait Gamal. Tout le monde connaît ces cellules. Là, je peux. Mais tous les autres leaders, je ne connais, à date, je ne peux pas indiquer il c'est ici l'ose tel, c'est ici l'ose tel. Même cellule, sa maison, je ne peux pas indiquer. Parce que je passais seulement avant. Je ne peux pas dire c'est sa maison, ça. Mais je connais jusqu'à le carré. Quand il rentre, il est quelque part là. Moi, je vais faire ça. Mais il ne faut pas que. On me caricature, moi je ne suis pas un bandit là, j'ai accepté. Et tu vois, voilà, moi quand tu me dis que je bagarre, je suis d'accord. Ou tu dis, ouais, il est, tu dis, oui, je suis d'accord. Mais je fis 10e de la République Bac 1, 11e de la République Bac 2, vérifié. C'est une science expérimentale. Monsieur Diakité, vous allez garder le calme. Merci beaucoup. Bien. Après ces massacres-là, il y a des filles et femmes qui avaient été transportés dans des camps militaires, notamment au camp Al-Fayaya, où elles ont été transformées en esclaves sexuels. Non. Est-ce que vous avez appris cela? Non. Moi, d'abord, ce qui me préoccupait, c'est le plan qu'ils étaient en train de mettre contre moi qui me préoccupait. C'est-à-dire, tous leurs plans, c'est ça. Moi, je ne suis même pas associé. Oui, est-ce que vous avez appris cela? Non, moi je n'ai pas. Vous n'avez jamais ça. Vu de filles ou de femmes là-bas? Non. Au camp, l'Al-Fayaya? Non. Si j'en ai. Moi je vais le dire. Si je vois ça, je vais dire. D'abord, on ne fait même pas ça à quelqu'un, à une fille devant moi. Moi j'ai demandé. Moi je respecte les femmes. Moi je connais mon totem. Je respecte les femmes. Tout le monde me connaît pour ça. Je lève ma main, il n'y a pas une qui va faire descendre. Ah. D'accord. Mais je les respecte, je ne regarde même pas ça. D'accord. Et pour vous, oui. Ces massacres du 28 septembre, ah. Ils ont été commis par qui ou par combien de personnes environ? Non, c'est le président Dadis, c'est son groupe. C'est le président Dadis, c'est fini. D'accord. Vous n'avez pas une idée sur le nombre de personnes qui a été déployées au stade? Non, je vous ai expliqué tel que moi j'ai été pris et tu vois, j'ai été au moment où j'ai été au courant de ça. Donc, je vous ai expliqué quels sont ceux qui pouvaient y être infiltrer toutes les infiltrations et ils en savent. Effectivement, les pratiquants d'arts martiaux là, de Granco, ils n'ont qu'à expliquer qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Mais ils étaient à la présidence logés là-bas. D'accord. Promis pour la en cas d'être contre ma défense, mais pour être recruté. Granco n'a qu'à expliquer peut-être ça. Mais parce que l'autre Touré, c'est un élève de Granco. Voilà. L'autre, c'est un élève de Granco. L'autre aussi, c'est son élève Bamba. C'est son élève. Aboulaye, c'est son élève. C'est eux qui s'occupaient de ceci. Pourquoi? À la présidence. En tout cas, moi, ils ne sont pas. Voilà. Et ils étaient entretenus par Dadis, hein? Ça, c'est clair. Non, ce n'était pas caché. Parce que c'est là-bas qu'ils relevaient. C'est eux qui savent pour quelle fin ils sont là-bas. Ils étaient là-bas. D'accord. Moi, je ne peux pas mentir sur Dadis. Ça veut dire. Non. Si son plan a échoué, il n'a qu'à enlever les gens ici. Mais on ne peut pas. Dieu les a montré qu'il ne peut pas. Moi, ils ne pourront même pas. Parce que ce qu'ils ont fait, oui. Qu'ils se demandent. Voilà. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je vais passer la parole à mes collègues. Merci bien.